Bon, les amis, c'est pas une vidéo très habituelle. On sort tout juste du Resident Evil Showcase. J'espère que vous allez bien. Là, il est actuellement minuit 32. C'est la folie. Je voulais absolument vous publier cette petite vidéo de réaction de fou au trailer, aux images qu'on a pu découvrir, les nouvelles images de Resident Evil 4 Remake. C'est la folie. C'est la folie. Au-delà des nouvelles images de gameplay, on a quand même, les amis, des images, nouveaux trailers qu'on va redécouvrir ensemble ici, si vous ne l'avez pas vu, où on voit quand même, c'est la folie, hein, wow, première, où on voit quand même tout ce que j'avais envie de voir. Tout ce que j'avais envie de voir. Déjà, c'est magnifique, c'est juste magnifique, c'est somptueux, hein. On est beaucoup plus dans quelque chose de... Effectivement, ça fait encore plus secte, hein. Regardez, Los Illuminados, là, on est vraiment... On voit le sacrifice, là. Là, j'ai l'impression que c'est Ashley, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, il va y avoir un sacrifice. Le village est d'enfer. C'est juste fantastique. Et puis, surtout, Dr. Salvador, évidemment. Louis Serra, il est canon. Ashley. Il est... Franchement, il est... Attendez. Your soul. Oh là là, Mendez. Oh là là, attendez, on revient en arrière, je suis désolée, mais c'est la folie. Oh, mourir et se vivre. Ces vidéos, vraiment réaction, faites dans la joie et la bonne humeur, hein, mais... Je vais rester sur le truc de pause au cas où. On repart un petit peu en arrière. Là c'est la folie. Léon, il est très classe. Son docteur Salvador, il fait bien flipper. Putain, il a une bonne tête, hein. Il a vraiment une bonne tête, il fait un peu roublard comme ça, il est canon. Et c'est cool de le voir et je croise les doigts pour qu'on puisse l'incarner un peu davantage, hein. Enfin qu'on l'incarne, on l'incarne pas du tout dans l'original, mais qu'on puisse le voir davantage dans le jeu, éventuellement l'incarner pour une partie de scénario en plus, parce qu'il est, il est vraiment canon. Et qu'est-ce que c'est beau! Enfin, waouh! L'attitude, Ashley, tout dans l'attitude, dans les... Le comportement, regardez-moi ça, attendez, ça c'est encore un truc de fou. Lord Sadler, on est dans le château. Mendez, qui à mon avis va être plutôt comme un Mr. X. Il est ultra flippant, là on voit Las Plagas. Évidemment, on sait qu'on se prend du... qu'on est infecté, que ce soit Léon ou Ashley. Ashley, je la trouve vraiment mignonne. C'est la séquence qu'on connaît bien quand elle le rencontre. Elle flippe, elle l'attaque, elle lui fait pas confiance au départ, mais ça c'est très classe. Là il y a des trucs, je l'ai... You can stop right there. Oh, Ada, non mais regardez-moi ça, elle est canonissime. What are you doing here? Louis, là on voit tout le monde, non mais c'est ça, et là... Non mais les amis... Non mais regardez, non mais c'est juste pas, c'est hop, on remet un tout petit peu en arrière. What are you doing here? Je rêvais de voir El Gigante. Là vraiment c'est voilà, mon rêve est exaucé parce que j'avais trop peur qu'il dégage El Gigante. Et l'arme biologique qui vraiment pour moi donnait le change dans RE4 quoi, le El Gigante. C'est l'ennemi le plus impressionnant, en fait. Et je suis trop contente de le voir. Il est magnifique, regardez-moi ça. L'affrontement va être dantesque. Il est magnifique. Je suis trop heureuse. C'est l'un des trucs que je voulais voir. Je voulais voir le vendeur, on va y revenir. On a vu le vendeur, j'étais comme une tarée. El Gigante et Salazar. Et je voulais voir un peu plus Ashley aussi. On a vu Ada, Louis... Bah, en fait, il y a tout dans ce trailer. Des scènes qu'on n'a pas vues. Del Lago, je voulais voir le Del Lago aussi. On a vu le Del Lago quand même, c'est énorme. Il a l'air... Et Salazar, oh là là. Regardez-moi ça. J'essaye de bouger. C'est dur de faire des belles images. C'est une vidéo pas comme les autres, hein, mais voilà. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'il est beau. Voilà, pas plus que ça, mais magnifique. Salazar, cette séquence, on la connaît. Bon, elle est infectée, ça aussi, on le sait. C'est la transformation de Mendez, on le sait. Salazar, c'est un vieux. Regardez le château, la dégaine du château. C'est Resident 4, c'est l'âme, là. Oh, putain, et là, elle a un flingue. Hein. Alors donc, effectivement, elle est infectée, on le sait. Du coup, ils ont travaillé le truc et elle a un flingue. Ce qui veut dire quand même qu'il y aura peut-être des séquences quand même plus intéressante dans... Evil 4.
Alors, là, on tombe sur un des meilleurs moments aussi du showcase. Je veux ce collector. Déjà, on va. Il faut qu'on voit la map, parce que regardez la map, on voit le lac, etc. Alors, voilà, on le savait, on l'avait déjà vu, puis on a vu Del Lago, donc on a toutes les confirmations. Mais regardez un petit peu comment ils ont fait ça. Je veux ce collector pour vous l'unboxer, peut-être essayer même de vous le faire gagner. Enfin, c'est la folie. Là, vraiment, c'est meilleur show ever. Vous allez me dire que je suis une fan. Très contente aussi de ce qu'on a vu de Rivers. Hein. Ils ont remanié le truc, c'est cool. La Gold Edition, génial, la démo à 1h du matin pour tester la Ethan à la troisième personne dont on verra évidemment pas le visage. Mais là, attendez, hop, je vous prends le... Voilà, le vendeur, on y arrive. Cette vidéo n'a aucun sens, hein, on s'en fout. Just as in the original, using the attaché donc, évidemment, case la mallette, je n'arrive plus à parler. Donc, nouveauté, on pourra mélanger des poudres pour faire des bastos. Ça n'existait pas dans l'original. Stranger. C'est pas tout à fait la même voix, mais c'est normal. Mais c'est énorme. Wow, le menu est tellement classe. C'est magnifique, mais regardez-moi ça. Et puis on va pouvoir, effectivement, le couteau, ouais, là, il a maintenant une jauge de durabilité. On va pouvoir l'améliorer. Donc du coup, forcément, il y a de nouvelles choses. On va pouvoir, voilà. Oh là 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 là. Toujours hein, les diamants, les bleus velours, les... évidemment, les bleus velours spinel. C'est magnifique. Voilà, c'est beaucoup plus péchu aussi, hein, c'est ce qu'on a vu. On va pouvoir se faire déjà. Les villageois, ils sont super vénères. Ils vont pouvoir nous attraper, nous pêcher. On va pouvoir s'en débarrasser, les jeter sur leurs autres ennemis dans le village. On reconnaît totalement le village. Et à la fois, c'est vraiment revu évidemment de manière plus moderne. Enfin, je veux dire, c'est... Non mais c'est la folie. Enfin, franchement, le LGBT. Et puis c'est beaucoup plus cinématographique, c'est plus beau, c'est plus moderne. On sent que c'est toujours aussi action, voire un peu plus avec les couteaux, le couteau, etc. Mais waouh, c'est y a une ampleur, y a la vidéo qui est Salazar. Non mais regardez-moi ce jeu. Là c'est le remake parfait, hein. Et puis c'est beau, c'est... Voilà, je voulais juste que vous voyez ma réaction. C'est un truc de fou, c'est une vidéo que vous allez peut-être juger inintéressante, mais il fallait que je réagisse totalement. Je suis trop contente, ça arrive le 24 mars 2023. On peut d'ores et déjà précommander le collector, évidemment, ne l'oublions pas. Ça arrive sur PS4, PS5, Xbox Series, PC. Ils n'ont pas du tout confirmé pour Xbox One, ils n'en ont pas parlé. Ils ont juste dit que si on avait le jeu sur PS4, il y aurait la mise à jour gratuite sur PS5. Enfin, c'est... Là, je suis en folie. Enfin, c'est magnifique. Where are you? Non mais regardez la tête de mort géante, il y a plein de trucs qu'il n'y avait pas. Hein. On a effectivement ce culte hein, à Lord Sadler. Mendez, il est classe. Hein. À mon avis, ça va être un genre de Mr. X qui va nous poursuivre dans sa baraque. Ashley Graham, are you in here? Vu que la première baraque où on rencontre le premier mec, c'est déjà super grand par rapport à l'original. Ouais, elle se défend bien, elle est très mignonne. Je sens qu'elle va être beaucoup plus intéressante. Mais en tout cas, on a vu tout ce qu'il y avait dans le premier. Ça a l'air extrêmement fidèle qu'ils le disent, mais ça se voit aussi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Puis Ada, quoi. Ada. Là, c'est dans le château, la séquence. Juste où il y a le labyrinthe avec les chiens. C'est la folie, quoi. Voilà. C'est magnifique. Del Lago. Ça, c'est un vrai remake, quoi. C'est un vrai remake. J'en peux plus. Je suis trop heureuse. Girl. Voilà. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me. Incroyable. Magnifique. Les amis, on se retrouve. Je sais pas trop comment je vais gérer l'histoire, mais je pense qu'on se retrouve. Où on s'est déjà retrouvé. Je sais pas quoi vous dire. Mais il va y avoir beaucoup de contenu Resident Evil 4 sur la chaîne. Restez bien connectés. Je vous aime très très fort et à très très vite. Cette vidéo était géniale. Voilà, c'était magnifique. Heureusement que je regarde. J'étais pas sûre d'avoir bien mis le son. Voilà, c'était cool. C'était bien. Voilà, d'ailleurs, je fais scène, machin. Bisous, ciao. Merci d'avoir été là. Bisous.